Frères et sœurs dans le Seigneur, membres de la grande famille de Dieu, amis de la bonne semence, internautes de partout, bonsoir. Bon Dieu, nous en mettons, nous en fait des provisions spéciales pour nous-mêmes en tant que peuple. À chaque semaine, nous avons une leçon différente pour nous partager. Depuis la semaine dernière, nous abordons le troisième trimestre avec un bel questionnaire qui vient pour titre « Le repos en Christ ». Côté que nous, ouais, même si nous battons quoi nous en tant que peuple, non, nous ne pas supposé faire ça, c'est en vain. Solution, à l'iname, bon Dieu, par le biais du sacrifice de Jésus. Semaine ça n'a pas abordé deuxième leçon, hein, qui vient pour titre impatient et rebelle. Que bon Dieu n'a moins fini, aidez-nous capables, mettez-nous, laguez-nous entièrement, non, mais bon Dieu, et que nous capables poser l'esprit nous, pour ce Jésus qui est capable de décider pour nous. En nous prier, bon Dieu. Gémissant sous l'esclavage, dans la sombre nuit, amis, reprenez courage, déjà l'aube lui. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous a franchis. Vois aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc en la puissance. Ceux de notre grand libérateur, et venez avec confiance, venez donner lui votre cœur. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, ou même qui appelez nous à l'existence, qui fait survivre nous des projets de paix et non de malheur, ou même qui gagne une destinée spéciale qu'on prépare pour nous. Nous venons dans pied ou dans moment ça, nous venons dire merci parce que à travers le son ça, vous parlez de nous grandir davantage, vous parlez de nous faire confiance davantage, vous parlez de nous rester dans pied pour que rien pas ébranler nous. Parole ou dit qui nous séparera de l'amour de Dieu, serait-ce les richesses, serait-ce les dominations, serait-ce les pouvoirs, serait-ce quelque chose quelconque de ce monde. Non, rien ne nous séparera de ton amour. Seigneur, permette-nous de rester avec vous. Nous pas prions parce que nous bon et nous dit, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. En pile monde, tu as eu l'occasion pour décrire comportement étranger agité de chiens et d'autres animaux domestiques encore avant grand tremblement de terre. Il y a monde qui dit que bête là tellement agité que li pété chaîne li là dedans pour sauver tête li. Alors que vous-même, en tant qu'humain, on peut croire ça pour arriver. Les scientifiques ont établi que les animaux sont capables de détecter la première onde sismique dans un tremblement de terre qui vient, bien avant que vous-même, en tant que chrétien, vous sentiez. En tant que l'homme dit chrétien, en tant que monde, en tant que humain, vous sentiez. C'est probablement raison ça qui fait que vous comportez de manière bizarre et confuse, de manière agitée. Bien avant que le sol a commencé à trembler, bien avant que le vent commence à souquer, bien avant que une catastrophe naturelle commence. Il y a un pile dans les bêtes, dans les éléphants, qui est capable de percevoir ondes sonores de très basse fréquence, vibrations qui viennent vraiment bien bonheur avant nous-mêmes, en tant qu'humains, nous capables de détecter. Yo. T'es gagné un séisme de magnitude 5.8 qui t'est frappé Washington DC le 23 août 2011. T'es gagné un série de animaux qui t'est dans zoo national Smithsonian qui t'est commencé à comporter de manière bizarre et étrange bien avant, quelques minutes avant. Parmi eux, t'es gagné des lémuriens qui t'est
commencé à crier bien fort pendant environ 15 minutes avant que le premier secours commence. Ou ap dim ki sa sa gen pou wè avec le son pour nous-mêmes. Eh bien, dans semaine ça, nous pral étudier quelques exemples de agitation humaine qui t'est provoqué non pas par une catastrophe naturelle imminente tel que tremblement de terre ou bien cyclone ou ouragan, mais plutôt par le péché humain. En tant que pécheurs, nous c'est des êtres humains déchus et nous qu'on refuser compter sur Christ, nous penser nous raconter sur tête nous. Eh bien, les comme ça, nous paraître l'aide, nous font pile des autres, nous agiter comme nous pour rien. C'est ça nous pour étudier au cours de semaine là. Pour nous ouais, qui gens nous-mêmes nous comporter nous dans un moment difficile ça yo et surtout pour nous ouais, est-ce que pas de grande autre façon nous te ka faire si nous te abandonné nous à Jésus-Christ. Verset de mémoire nous que nous joignons dans 1 Corinthiens 10 verset 11 dit comme ça. Or tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir. Nous sur qui la fin des temps est arrivée. Les a raconté nous histoire hommes et femmes des temps anciens qui te vivent des moments difficiles, qui te fait l'aide parce que te pensé, te raconté sous tête yo, qui te agité, qui te troublé, qui te impatient, qui te rebelle par rapport à bon Dieu. Et pas pour nous sur l'exemple pour nous faire même avec eux, yo raconté nous histoire ça yo. Histoire ça vini à titre d'exemple pour nous les moun nan rebelle, les moun nan viré de bon Dieu comment rien pas marché pour lui. Et ça avertit moi même ensemble avant qu'à vivre la fin des temps là pour nous ranger causer nous pour nous couler café nous clair yon façon justement pour nous pas faire même bêtise avec yo. Des fois nous prend exemple yo nous philosophe sou yo nous qu'on prend même pour nous justifier errance nous alors que pour ça yo écrit à même nous pas servir avec yo. À titre d'exemple, il y a un proverbe créole et français qui dit un homme averti en vaut deux. Ça veut dire si m'te connais tel bagaille pour arriver là ou bien m'te ouais, il t'est arrivé au monde déjà dans même sens là, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et puis moi même moi aller dans même sens là, m'pa ka comprendre que moi même comme si m'pa gagne plus chance ou bien c'est même plus intelligent faut m'attendre moi à ce que problème là arrive tout à ce que moi payer conséquence inconséquence moi. Semaine ça nous pas l'étudier en pile dans grand parent New York t'a fait pile des ordres surtout dans période côté que t'a traversé désert pour aller à Canaan et moi même ensemble avoir invitation en fait pas battre corps nous pour grand messie si nous battre corps nous c'est enfoncer n'a pas enfoncer plus prenons exemple un monde qui a nagé un monde qui tombe dans de l'eau m'a dit un monde qui a nagé déjà connaît la nage un monde qui tombe dans de l'eau et puis qui pas connait nager. Et puis qui justement tombe dans l'eau ni paniquer l'a fait force l'a battre corps à gauche à droite moun sa gen toute chance pour le couler moun sa gen toute chance pour le noyer s'il t'a gen 100 fois il t'est resté sous de l'eau il t'est tant secours il gen plus chance pour le capable sortir parce que gen des circonstances nous même en tant qu'humain nous trouver nous là-dedans yo puisque nous pas mettre tête nous ces créatures bon Dieu et que nous péchons déjà nous priver de la gloire de Dieu et que c'est Jésus-Christ en son amour qui devine mourir pour nous qui fait je dis à moi-même ensemble avoir nous qu'a gagne espérance la vie éternelle nous doit la gué problème nous yo difficulté nous yo errance nous yo dans mais bon Dieu dit lui que c'est lui qui capable conduire nous lui capable mener nous longer mais bali pour mener nous côté là mener nous et laisser nous faire de bon chemin mais si n'a chercher solution pour tête nous a péri nous a perdu. Parce que de plus en plus, ces pifons n'ont enfoncé dans l'abîme, non? Et nous n'avons pas besoin de prendre temps pour nous sortir dans la facilité. Parce que non par puissance, non par pouvoir, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Que le Seigneur vous garde.